إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers sœurs, se comporter avec l'époux est un art que beaucoup de femmes ignorent. Et je dis aux deux époux, si l'un de vous est un ange avec son bon caractère et la douceur et sa douceur, cela ne suffira pas. Il faut que chacun des deux conjoints s'acquitte des droits que l'autre a sur lui, car vous partagez toute une vie ensemble. De ce fait, chacun de vous a droit à un discours. Discours provenant du cœur de quelqu'un qui espère que le bonheur entoure chaque foyer musulman. Dieu seul sait que ce travail est le résultat de consultations, de recherches et de méditations sur ce qui se passe dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'implore Allah par sa douceur, sa générosité de mettre de l'affinité entre les cœurs de tous les couples, de bénir leur vie commune, de leur accorder bonté, réussite, cohabitation, familiarité et amour. Le discours d'aujourd'hui est un message adressé à toute épouse musulmane qui aspire au bonheur et à la réussite de sa vie avec son époux, à toute épouse qui cherche une solution efficace à ses problèmes au sein de son foyer. Il ne suffit pas, chère sœur, d'écouter ce discours une seule fois ou deux fois. Écoute-le, sœur bénie, plusieurs fois. Garde-le chez toi, car tu en auras besoin. Recommande-le à toute sœur chez qui tu sens qu'il en a besoin. Je ne prétends pas la perfection, car seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est impeccable. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préservé de l'erreur. Cependant, j'ai tâché de puiser les leçons dans la maison du prophète. Tout ce qui est juste dans ce discours vient de Dieu et toute erreur vient de mon âme faible et de Shaitan et de Satan. Et Allah et son envoyé sont innocents de toute erreur. La femme, parce qu'Allah lui a donné comme beauté, douceur, tendresse, a réussi à séduire beaucoup d'hommes, et l'histoire en témoigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, suivant Usama ibn Zayd radiallahu anhu, « Je n'ai pas laissé après moi de tentation plus néfaste pour les hommes que les femmes. »« Ma taraktu fitnatan ba'di adarru ala rijali min al-nisa »« Ma taraktu fitnatan ba'di adarru ala rijali » Min al-nisa, et le Très Haut a dit, subhanahu wa ta'ala, on apparaît aux yeux des hommes, on apparaît aux yeux des humains l'amour des objets de désir. Zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawat. On apparaît aux yeux des humains l'amour des objets de désir. Les femmes, les fils, les monceaux qu'on amoncelle d'or et d'argent, les chevaux blasonnés, les troupeaux, le labour. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث كما دي الله dans sourate Al-Imran. Donc Allah a mis la femme la première dans la liste de ce qu'il apparaît aux yeux des hommes. Pourquoi donc ne pas utiliser son pouvoir séducteur dans le licite? Ainsi elle assistera son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
الدنيا متاع. سو دو موند ات اون جويسونس. وخير متاعها المرأة الصالحة. Et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse. Hadith rapporté par l'imam muslim. Et j'entame ce dars par deux recommandations faites par deux mères vertueuses et sensées. Écoute, chère sœur. Écoute, chère sœur, ces deux recommandations, car tu en as vraiment besoin. Tends l'oreille, car le sensé est celui qui ajoute à son intelligence l'intelligence des autres. La première recommandation, wasiya, c'est une recommandation de Umama bint al-Harith al-Thaghlubiya. Umama bint al-Harith est l'une des femmes les plus nobles de l'Arabie, connue par ses maximes dans la noblesse du caractère et ses bons conseils. C'est une femme sage. À l'occasion du mariage de sa fille, Iyas bint Auf, elle lui fit cette recommandation. Il lui a dit: petite fille, si c'est parce qu'une personne jouissait d'une noblesse héréditaire, ou bien il est porté par un bon caractère, qu'on se passerait de lui donner des conseils, je serai la première à s'en passer. Ce n'est qu'un rappel au sensé et un avertissement à l'insouciant. Ma petite, s'il n'y avait de raison pour une fille de se passer du mari que le seul fait que ses parents lui suffisent, tu serais celle qui se passerait le plus largement de lui. Mais nous sommes créés pour les hommes, tout comme ils sont créés pour nous. Ma petite, tu as quitté le pays où tu es née et la demeure où tu as grandi, vers un endroit que tu ignores et un compagnon auquel tu n'es pas habitué. En te possédant, il est devenu ton roi. Sois donc pour lui une femme obéissante. Il se soumettra à toi. Garde dans ta mémoire 10 vertus. Elles te seront utiles. La première, lui tenir compagnie, en étant contente de ton sort, car c'est en cela que réside la tranquillité de l'esprit. La deuxième, la bonne attitude consiste à l'écouter et à lui obéir convenablement, car cela engendre la satisfaction d'Allah. Troisième, scruter ce qui attire son regard et les choses auxquelles son nez est sensible, qu'il ne voit pas en toi ce qui le déplaît et ne sent en toi qu'une odeur agréable. La quatrième, le khol, l'antimoine, ce qu'on applique sur les yeux. Le khol est l'eau. Sache que le khol, c'est-à-dire l'antimoine, est le meilleur produit de beauté disponible. Et l'eau est le meilleur purificateur. La cinquième, respecter les heures du repas. Le feu de la faim est brûlant. La sixième, éviter tout ce qui peut perturber son sommeil, car ceci provoquerait sa colère. La septième, c'est bien garder sa maison et ses biens, car ceci est une preuve du respect. La huitième, bien entretenir ses proches parents et sa progéniture, car ceci relève de la bonne direction des choses. La neuvième, garder ses secrets. Si tu dévoiles un de ses secrets, tu ne seras plus en sécurité contre une éventuelle trahison de sa part. La dixième, ne lui désobéis pas. Lui désobéir créerait en lui un ressentiment contre toi. Évite de montrer de la joie quand il est inquiet et de l'inquiétude quand il est joyeux, car la première relève de l'indifférence et la deuxième est de la contrariété. Et plus tu lui témoignes de l'intérêt et du respect, et plus il est généreux à ton égard. De plus, plus tu es en accord avec lui, plus il te tient bonne compagnie. Mais sache que tu ne peux réussir tout cela que quand tu mets en priorité ses désirs et sa satisfaction par rapport au tien, dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est une recommandation mélangée avec la joie et des pleurs. Une mère a donné le conseil suivant à sa fille, qui va mettre le premier pas dans cette nouvelle vie.
il lui a donné ce conseil-là la nuit de ses noces. Il lui a dit, « Chère fille, c'est une nouvelle vie qui t'attend, vie dans laquelle il n'y a pas de place pour ta mère ou ton père ou tes frères et sœurs. Tu seras la compagne d'un homme qui ne tolérerait pas de te partager avec quelqu'un, même s'il s'agit de celui qui t'est lié par la chair et par le sang. Sois pour lui, chère fille, une épouse et une mère. Tâche de lui faire sentir que tu y es toute sa vie. Rappelle-toi toujours que l'homme, n'importe quel homme, est un grand garçon. La moindre parole douce le réjouit. Ne lui fais pas sentir qu'il t'a privé de tes parents et de ta famille, car ce même sentiment l'envahit lui aussi de temps à autre. Lui aussi s'est éloigné de sa maison, de la maison de ses pères et mères pour toi. La différence entre lui et toi, c'est la différence qui existe entre l'homme et la femme. La femme garde toujours cette nostalgie vis-à-vis de sa famille et de la maison dans laquelle elle a vu le jour, grandi et étudié. Mais il faut qu'elle s'habitue à sa nouvelle vie. Il faut qu'elle rende sa vie en harmonie avec celle de cet homme qui est devenu pour elle un mari, un gardien et un père pour ses enfants. Telle est ta nouvelle vie, tel est ton présent et ton avenir. Tel est le foyer que tu vas fonder avec ton mari. Quant à tes pères et mères, ce n'est que du passé. Je ne te demande pas d'oublier tes pères et mères, ni tes frères et sœurs, car ils ne t'oublieront jamais, ma bien-aimée. Comment une mère puisse oublier la chair de sa chair? Mais je te demande d'aimer ton époux, de vivre pour lui. Et je veux que tu vives heureuse en sa compagnie. Voilà. De bonnes recommandations faites par deux mères sensées. Ah, si toutes les mères donnent les mêmes recommandations à leurs filles, surtout lorsqu'ils mettront le premier pas vers cette nouvelle vie. Mais dommage. Dommage parce que certaines mères font le contraire. Ils interviennent dans la vie privée de leur fille. Ils veulent toujours garder la fille. La fille aussi, puisqu'elle est toujours attachée à sa famille, tous les secrets qu'elle a, tous les secrets de son mari, elle les livre à sa mère. Et ça, ce n'est pas bon. Parce qu'elle, ça y est, maintenant, c'est une nouvelle vie qu'elle entame. Elle a des devoirs et elle a des droits. Comment se comporter avec l'époux? Alors, comme art de se comporter avec l'époux, c'est le recevoir avec un visage souriant, rayonnant. Je vous décris la scène. Le mari vient de quitter son travail, il a passé une journée éprouvante, il est fatigué, épuisé. Il a été martelé par les cris des clients ou des ouvriers ou des collaborateurs ou de son patron. Et à ça s'ajoute l'embouteillage dans la rue ou l'affluence dans le bus, le train ou le métro. Il est pressé de rentrer chez lui pour trouver le repos. Une fois la porte ouverte, il a trouvé son épouse belle comme elle est, l'accueillir avec un baiser sur la joue et laissant esquisser sur son visage un beau sourire. La potion magique a fait son effet. N'oublions pas que la femme est une magicienne. Je parle ici de magie licite. Magie autorisée. Ça a fait oublier au mari toutes les tracasseries et les problèmes de la journée. Et il s'est tourné à droite, à gauche, tout est propre, le repas est prêt. Ses enfants sont comme des fleurs épanouies. Ils viennent l'entourer, beau et propre. L'odeur suave émanait de tous les coins de la maison. Quel bonheur, quel accueil, quelle familiarité. Tout cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et grâce aux touches magiques de cette épouse qui vaut ce monde et ce qu'il comporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit? Ce bas monde est une jouissance passagère et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse. Chère sœur, tire la leçon de l'épouse d'Abu Muslim al-Khawlani,
le grand imam, le grand savant tabi'i, Abu Muslim al-Khawlani. Tabi'i, c'est-à-dire il a vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était contemporain des compagnons, mais il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand tabi'i, respecté par beaucoup de compagnons, il a une épouse, et quand il quitte la mosquée, il rentre chez lui, il arrivait à la porte de sa maison, il dit Allahu Akbar. Il avait l'habitude de dire Allahu Akbar pour signaler sa présence à son épouse. Et son épouse aussi, il répond, aussi, il dit Allahu Akbar. Quand il arrive à la cour de sa maison, il dit Allahu Akbar. Et son épouse aussi, elle répond à son appel. Arrivé à la porte de sa chambre, il dit Allahu Akbar. Et elle répond, il dit aussi Allahu Akbar. Le rapporteur de cette tradition, ce Athar, dit quand il rentrait dans sa chambre, son épouse avait l'habitude de lui apporter un rida, c'est-à-dire un manteau, ses sandales et son repas. Mais ce soir-là, il trouva la lampe éteinte. Un soir, il est arrivé à la porte de sa maison, il a dit Allahu Akbar, mais il n'a pas répondu. Il est arrivé à la cour de sa maison, il a dit Allahu Akbar, il n'a pas répondu. À la porte de sa chambre, il a dit Allahu Akbar, son épouse ne l'a pas répondu. Il a trouvé la lampe éteinte et son épouse blottie dans un coin de la chambre, faire des traces sur le sol avec un morceau de bois qu'elle tenait dans sa main. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Et elle a répondu, tu as une place respectueuse aux yeux de Muawiya ibn Abi Sufyan, qui était gouverneur au Sham et calife aussi. Tu as une place respectueuse aux yeux de Muawiya. Que ne lui demandes-tu? Un domestique, car nous avons besoin d'aide. Et Abu Muslim dit alors, il sait qu'il a compris qu'une femme est venue gâcher son épouse. Il a dit, Seigneur Allah, rends aveugle celui qui a corrompu mon épouse. Et on sait qu'Abu Muslim est connu pour son dua qui est exaucé. Il suffit qu'il lève les mains au ciel et Allah subhanahu wa ta'ala exauce tout de suite son dua. Et le rapporteur dit, une femme est venue, c'est-à-dire avant, dans l'absence de l'époux, de vos musulmans, elle est venue dire à l'épouse à son épouse, ton épouse jouit d'une grande place auprès de Muawiya, pourquoi ne pas lui demander de vous accorder un domestique et de vous aider? Et le rapporteur dit, pendant que la femme est assise dans sa chambre, elle a perdu la vue. Et dit, pourquoi la lampe est éteinte? Et on lui a répondu, non, la lampe est toujours allumée. Et là, elle a su, elle a compris la cause. Et elle est allée directement chez Abu Muslim, en pleurant et en le suppliant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui rende la vue. Et il a eu pitié d'elle. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il recouvra la vue. Subhanallah. Ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est comment elle l'accueillait avec le takbir et lui apportait ses sandales, son manteau et son repas. Donc l'épouse intelligente est celle qui sait comment gagner le cœur de son époux et comment devenir chaque jour une nouvelle épouse. Parole douce, sourire radieux, bon parfum, la touche magique que tu mets sur les cheveux, le bon choix des parures assorties avec la couleur de la peau, la toilette quotidienne, est une purification, une adoration aussi, tu es l'ouri de ce monde. L'ouri, c'est, là on dit, belle femme, aux grands yeux. Tu es l'ouri de ce monde. Et tu seras, s'il plaît à Dieu, l'ouri et la maîtresse des palais du paradis. Apprends. Apprends seulement du Coran les qualités des ouris. Rivalise avec elle. Fais assaut en vue de gagner le cœur de ton époux. Et rends sa vie un paradis
si tu espères vraiment, ou si tu aspires vraiment au paradis de l'au-delà. Si tu rends la vie de ton époux un paradis, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera le paradis dans l'au-delà. Une autre scène maintenant. Mais là, sans commentaire, le mari il rentre chez lui. Les cris de... les tracasseries du travail, l'embouteillage et tout ça, le martèle dans sa tête. Il rentre chez lui, les jouets et les vêtements des enfants éparpillés dans tous les coins de la maison, les enfants l'accueillent avec les cris, les vêtements sales, une odeur désagréable se dégage d'eux, l'épouse il le reçoit avec un visage crispé, avec des cris, des plaintes, le repas n'est pas prêt. Il a voulu se reposer, et dès qu'il s'apprêtait à s'affaisser sur un fauteuil, l'épouse s'écria « Attention, attention, le biberon !» Dès qu'il a voulu changer de place, et là, il crie « Attention, les lunettes de ta fille !»« Attention, les couches de l'enfant !» Il a voulu se reposer sur son lit est sale. Il a voulu faire la prière, le tapis aussi, il y a des choses dessus. On dirait un champ de mine. Et le pauvre s'est dit, je ferais mieux de retourner là où j'étais. Sans commentaire. Comme art aussi, c'est se faire belle pour le plaire, pour plaire à son époux. La femme, grâce à sa féminité et sa douceur, seulement, grâce à sa féminité et sa douceur, elle peut faire de l'effet sur le cœur de son époux. Qu'en est-il ? C'est l'ajout à cela, une belle parure, un bon parfum, l'homme deviendra sûrement prisonnier. Suivant Oussam ibn Zayd, j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallam a dit, je n'ai pas laissé après moi de tentation plus néfaste pour les hommes que les femmes. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et le prophète sallam l'a appelé fitna, tentation. Tu te plains des sorties fréquentes de ton époux et il ne te consacre plus le temps de te discuter avec toi. Tu te plains de son mauvais comportement. Peut-être même que tu commences à te dire qu'il ne t'aime plus, qu'il n'est plus le mari d'avant. Tu le connais, tu le reconnais plus. Il ne t'offre plus de cadeaux. Tu multiplies les plaintes. Et moi, je te dis, regarde-toi dans ta maison. Pas quand il t'apprête de sortir. Non, mais dans ta maison. Après le passage des jours et des mois et des années, tu as abandonné l'arme. Tu as baissé les bras. Tu as abandonné l'arme efficace que tu utilisais avant. Il ne voit plus cette beauté. Il ne voit plus cette belle parure. Il n'entend plus les paroles douces. Il ne voit que des vêtements usés et sales. Les cheveux éparpillés partout. Le visage crispé. L'âpreté dans le langage. Tu multiplies les injures, les plaintes, les insultes, la mauvaise odeur, et quand la situation devient insupportable, et quand il étouffe, il crie au divorce, et là, à ce moment-là, la sonnette d'alarme, tu cours chez les marabouts et les sorciers pour rétablir l'entente avec ton époux et l'harmonie dans le foyer. Alors que toi, tu possèdes toi-même le remède, tu possèdes la potion magique, tu peux l'ensorceler. Sans s'en rendre compte. Mais tu n'as l'église. Allah a dit, Awamay yunashaou fil hilyati wa fil khisam ghayr mubin. Le Très-Haut dit quoi? Cet être, parlant de la femme, cet être élevé au milieu des parures, la femme, elle est élevée au milieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans son cœur l'amour des parures, l'amour des bijoux. Pourquoi tu n'utilises pas cette arme-là? Cette potion magique. Beaucoup d'époux, écoute chère sœur, beaucoup d'époux aujourd'hui, disent qu'ils ne voient plus la beauté de leurs époux. Ils ne la voient que quand elles sortent, ou quand elles sont invitées dans une fête. Ils ne voient pas dans la maison, c'est à l'extérieur qu'ils voient la beauté de son époux. Ils la voient plus belle qu'ils s'imaginent. Jusqu'à lui dire des fois, ébahi, où caches-tu tout cela? Et à ce moment-là, il lui répond en riant, oh, toi tu n'es pas étranger. Subhanallah, cher pour le mari, gratuit pour les étrangers,
une excuse qui n'est autre qu'un prétexte venant de Satan, une excuse pire que le péché lui-même. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait des recommandations aux femmes pour attirer, pour faire plaire à leur mari dans la maison. Ils doivent utiliser cette arme, cette beauté, ces choses-là qui les distinguent des hommes comme arme pour attirer leur mari et pour renforcer les liens avec eux. Et là, cette arme, il l'utilise à l'extérieur, le contraire. D'accord ? Et on ne s'étonne pas par la suite de voir démolir des foyers et de voir se multiplier les cas de divorce. Je veux que les femmes comprennent une chose. Je veux qu'elles mettent ça dans la tête et dans le cœur, qu'il n'y a pas après le droit d'Allah de droit plus que celui de son mari sur elle. Il n'y a pas. Après le droit d'Allah, le tawhid, l'unicité, l'obéissance d'Allah, il n'y a pas d'autre droit plus important que le droit du mari. Ça, il faut que les femmes le mettent dans sa tête. Beaucoup de femmes ignorent ça. Ton mari a plus de droit à cette beauté que quiconque. Et concernant la parure, je marque des points d'arrêt. Le premier point, et je vais te dire sans ça, sincèrement, c'est les choses dans lesquelles la femme dépense plus d'argent. C'est pour acheter les produits de beauté, les parfums, les vêtements. Vous savez, les boutiques réservées aux femmes sont le double ou le triple de celles réservées aux hommes. Le commerce le plus fructueux, c'est quand on vend des produits qui sont réservés aux femmes. D'accord ? Ces boutiques-là connaissent grande influence et des bénéfices énormes. Et la majorité du temps que la femme passe, c'est qu'elle le passe dans le marché ou devant le miroir. Elle contrôle son poids, sa taille. Tout cet argent-là, tout ce temps-là passe dans ces choses-là. D'accord ? Et on sait que le temps est précieux. Donc, ce temps précieux, cet argent, cette énergie que tu dépenses, pourquoi tu le fais ? Quelle est la raison ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit : les pieds d'un serviteur ne franchiront pas le seuil du paradis ou de l'enfer avant qu'on ne l'interroge sur sa vie, à quoi il l'a consacré, sur ce qu'il a appris comme science, qu'est-ce qu'il en a fait, sur ses biens, d'où il les a acquis et où il les a dépensés, et sur son corps, en quoi il l'a usé. Hadith d'Abi Barza Nadla ibn Ubayd al-Aslami, le Prophète sallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أثناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Hadith rapporté par Tirmidhi, il est qualifié d'authentique. Donc, cet argent, ce temps précieux, ce corps, cette énergie, cette santé, dans quoi tu les fais ? Dans quoi tu uses tout ça ? Est-ce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala ? Tout ça, est-ce que tu le fais pour ton mari ? Est-ce que ton mari a une part dans tout cela ? Si lui n'a aucune part dans cela, alors pour qui elle fait ça ? Pour qui tu fais ça ? Pour qui tu fais ça ? Pourquoi tu t'habilles, tu te maquilles ? Pour qui tu le fais ? Plaire son mari ne t'intéresse pas ? Ou c'est la dernière chose qui frôle ton esprit ? Certaines femmes, ce qui leur intéresse, c'est de voler les expressions de gratitude et les compliments de la bouche de leur copine, si ce n'est des hommes. Allah al-afir. Et la majorité des femmes qui font ce genre de choses, c'est qu'elles veulent se montrer. Sincèrement, une femme qui use ses efforts, son temps, son argent, sa santé, parce que même ce corps, certaines femmes, elles malmènent
leur corps pour devenir minces et pour plaire aux autres. Donc, ce genre de femme qui fait ça, c'est par manque de foi et de raison. Il est poussé par un sentiment d'infériorité. C'est qu'il veut combler un certain manque. Donc, attention, attention. Sorties fréquentes dans les marchés, gaspillage d'argent, passer beaucoup de temps devant le miroir. Si tu le fais pour ton mari, ça sera une adoration d'Allah et tu auras la récompense. Mais si tu fais pour autre chose, là c'est dangereux. Quoique les femmes, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Le deuxième point d'arrêt, c'est que la parure obéit à des règles strictes qu'il faut respecter. Et suivant Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, c'est un hadith authentique, marfou', il remonte jusqu'au prophète, il a dit que Dieu maudisse celles qui font le tatouage et celles qui se font tatouer, celles qui taillent les sourcils et celles qui se les font tailler, celles qui se liment les dents, dénaturant ainsi la création de Dieu. Et dans un autre hadith, la'anallahu al-qashira. Qashira, c'est-à-dire celle qui s'éclaircit la peau. Dieu a maudit celle qui rend sa peau claire par les maquillages, par des traitements spéciaux. Donc, ça c'est interdit. Aussi, si dans cette parure, elle essaie de ressembler aux mécréants, aux kuffars, ou aux hommes, ou si elle porte un vêtement qui attire l'attention, un vêtement de notoriété, même un hijab, mais si ce hijab, vraiment, il attire, il est brillant, ou une couleur qui attire l'attention, il est interdit. Donc, tout cela est illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui porte un vêtement qui attire les regards, Dieu le lui fera porter le jour de la résurrection et le brûlera dans le feu de l'enfer. Hadith rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan. Et il est authentique. Il est aussi illicite de se faire une beauté pour séduire les étrangers. Ou pour aller à une fête ou aller au marché. Tout cela est interdit. Il attire la colère d'Allah. Donc il ne faut pas oublier une chose. C'est que le meilleur produit de beauté, c'est le siwak. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon nettoyeur pour la bouche et il apporte la satisfaction de Dieu pour la bouche. Et maintenant, bon, les médecins ont découvert beaucoup de vertus dans le siwak. Produit de beauté, un autre produit de beauté, les ablutions. Le wudu, vous savez ce que ça veut dire les ablutions? En langue arabe, c'est quoi? C'est wudu. Mais le terme wudu vient de quoi, wudu? Wudu vient du terme wada'a. Wada'a, ça veut dire quoi? On dit une personne est wadi. Wadi, ça veut dire beau. Donc, le fait de laver le visage 5 fois, de faire les ablutions, ça rend la personne belle. La prière aussi, ça rend la personne belle. Le prophète sallam a dit dans hadith de Muslim, la prière est une lumière. La prière est une lumière. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Simahum fi wujuhim min athar as-sujud. Il porte comme un signe sur le visage la trace de la prosternation. Donc, le visage est illuminé grâce à la prosternation. Comme dit Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le surat 48 et le verset 29. Et en général, toutes les adorations donnent une beauté, un éclat au visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un exemple, adoration, comme par exemple la da'wa, propager le message, ça rend beau. Comment ça, ça rend beau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que Dieu fasse resplendir de beauté quelqu'un qui a entendu quelque chose de ce que nous avons dit et l'a transmise tel qu'il l'a entendu. Hadith rapporté par Tirmidhi, et c'est un hadith authentique selon Ibn Mas'ud. Que Dieu fasse resplendir de beauté. Beauté matérielle. Donc, toutes ces adorations rendent la personne belle. Tu veux être belle? Ben, les ablutions, les adorations suffisent. Et ça, on le voit. Quand une fille qui était avant dans le Jahiliya, dans
perversité, et quand elle se repent et porte le hijab et se conforme sincèrement aux prescriptions de l'islam, son visage, subhanallah, il éclate de beauté. Il y a une lumière qui se dégage d'elle. Il y a une lumière, subhanallah, c'est une vraie perle. Mais attention, quand une sœur dévie de la voie, il y a des sœurs qui, Allah l'afia, qui tournent le dos. Ils dévient de la voie. Ils abandonnent la prière ou ils abandonnent le hijab, leur visage agib, il s'obscurcit. Et là, si Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève cette beauté, cet éclat, tu ne peux pas le retrouver. Ça y est. Même si tu essaies d'y remédier avec les maquillages les plus chers sur terre, même si tu multiplies les peintures, tu ne peux plus retrouver cet éclat et cette beauté-là. Comme art également, comme art dans le comportement avec l'époux, c'est d'être joyeuse, douce, séduisante dans ses manières. Écoute, chère sœur, la majorité des jeunes garçons, des hommes qui veulent se marier, ils disent « je veux qu'elle soit joviale ». Car par ses paroles douces, ses sourires radieux, sa légèreté, elle emplit le foyer de bonheur, elle casse la routine. Rappelle-toi bien ce qu'a dit le professeur à Jaber lors du retour d'une expédition. Il lui a dit, pourquoi pas une jeune fille avec qui tu jouerais et qui jouerait avec toi, que tu ferais rire et qui te ferait rire. Donc l'un des objectifs du mariage, c'est comme ça, c'est jouer avec l'épouse et de la faire rire. Et vice-versa. Car ce geste-là, par ce geste-là, elle attendrit le cœur de son époux. Et il le possède, de sorte qu'il ne regarde pas une autre personne, il ne regarde qu'elle. Un jour, le professeur sallam a eu en lui un ressentiment contre sa fille. Oui, c'était lors du retour d'un voyage, et puis il a trouvé sa fille mécontente. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il l'a vu en train de pleurer, le professeur sallam a commencé à essuyer ses pleurs par sa main noble. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, tu m'as fait porter sur une chamelle qui est très lente. Elle m'a laissé derrière. Et le professeur Salam a essayé de la consoler, de la faire taire, mais il n'a pas cessé de pleurer. Le professeur Salam, il a eu un ressentiment contre elle et s'est mis en colère. Et là, sa fille, il a voulu rétablir la chose, son épouse, et il a dit à Aïcha radiallahu anha, peux-tu rendre l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, content de moi et je t'offre ma journée. C'est que le prophète, il partage chaque jour, il le consacre à une de ses épouses. Chaque jour et chaque nuit. Et Aïcha, il a dit d'accord. Et qu'a-t-il fait Aïcha, radiallahu anha? Ben, il a mis un voile et il l'a parfumé avec du safran et il l'a aspergé d'eau. Il l'a aspergé pour que l'odeur s'exhale mieux. Et il entra chez le professeur Salam et s'approcha doucement de lui. Et le professeur Salam lui dit, écarte-toi de moi, Aïcha, ce n'est pas ton jour. Et il a dit, radiallahu anha, il a dit, dhalika fadlullah yu'ti man yasha, telle est la grâce de Dieu, il en gratifie qui il veut. Telle est la grâce de Dieu, il en gratifie qui il veut. Et lui a fait part de ce que sa fille lui a dit, et le professeur Salam, il a fini par agréer Safiya radiyallahu anha. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah, il est qualifié d'authentique par Cheikh Albani dans l'Irwa, c'est-à-dire dans son ouvrage Irwa al-Ghali. Donc tire la leçon de l'éducatrice des hommes et des générations, Aïcha radiyallahu anha. Coquetterie, s'est parfumée, elle s'est approchée du prophète sallam, c'est ainsi que tu posséderas le cœur de ton époux et le rendre prisonnier de toi. Gloire à celui qui a mis dans la femme ce pouvoir magique. Et c'est pour cela que dans la nuit des noces, lors de la première rencontre et le premier toucher, à l'homme de faire cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à l'homme de faire l'invocation suivante. Seigneur Allah, accorde-moi sa bonté et la bonne nature selon laquelle tu l'as créée. Que mon refuge soit en toi contre sa mauvaiseté et la mauvaise nature selon laquelle tu l'as créée. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayha. Hadith rapporté par un muslim. Mauvaiseté, c'est-à-dire mauvaise humeur, ingratitude, âpreté,
plainte multiple, étroitesse, crispation dans le visage, blottissement sur soi-même, amertume, réplique sévère, changement brutal de tempérament. Que notre refuge soit en Allah contre cette mauvaiseté. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous devions faire l'invocation suivante. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah dit dans le Coran: notre Seigneur, accorde-nous fraîcheur des yeux en nos épouses et nos progénitures, et fais de nous un modèle pour ceux qui veulent se prémunir. Dans Surat Furqan, Surat 25. Comme art également, c'est reconnaître le bienfait de l'époux et exprimer sa gratitude à lui. Dans ce sens, le prophète sallam appela les femmes. Un jour, il appela, il a réuni les femmes, et il a dit: femmes, tâchez de faire de l'aumône, car j'ai vu que vous formez le plus grand nombre des gens de l'enfer. Allah hafiya. Ya ma'shar an-nisa itasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar. Faites beaucoup d'aumône, car j'ai vu que vous formiez le plus grand nombre des gens de l'enfer. Et une femme intervint et dit: à cause de quoi, envoyé d'Allah? Bima ya Rasulallah. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: vous multipliez les malédictions et vous êtes ingrate envers le compagnon de la vie. Tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashir. Vous faites le kufr de kufr an-ni'ma. Vous êtes ingrate envers le compagnon de la vie. Et il a dit à nouveau la femme: en quoi consiste cette ingratitude? Wa ma kufrana. Regarde comment les femmes à l'époque, comment ils cherchent. Ils cherchent ce qui les rapproche d'Allah, ils cherchent ce qui est mal pour l'éviter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu agis bellement envers elle toute ta vie, et qu'elle voit un jour en toi une négligence, minime soit-elle, elle dit: je n'ai jamais vu en toi quelque chose de bien. قَالَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Et attention à cette ingratitude. Le droit de l'époux, il est très important. Comme j'ai dit tout à l'heure, juste après le droit d'Allah, vient le droit de l'époux. Beaucoup d'époux se plaignent de l'ingratitude de leurs épouses. Ils disent: je fais tout pour la rendre heureuse. Je lui achète des cadeaux. Je la fais sortir, on se promène, sans jamais entendre d'elle moindre remerciement. Rarement, et s'il le dit, c'est en marmonnant. On dirait que le... Subhanallah, on a perverti, on a changé l'esprit des gens, les hommes et les femmes. Et par la télé, la vidéo, tous les moyens, ils ont perverti, ils ont changé les esprits, ils ont changé la culture. Au point que l'homme, il se croit, les deux époux, ils se croient qu'ils sont sur un ring, en train de boxer l'un l'autre. Et qu'il ne faut pas que l'un d'eux baisse la garde parce qu'il va recevoir le coup de l'autre. C'est comme ça qu'ils nous font montrer la vie conjugale, les ennemis de l'islam. Alors que c'est le contraire dans notre religion. La reconnaissance est très importante. Suivant Abdullah ibn Amr ibn al-As, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yanzur Allah tabaraka wa ta'ala ila mara'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah le Très-Haut ne regarde pas. Il ne regarde pas le jour de la résurrection une femme qui ne témoigne pas de la reconnaissance à son mari alors qu'il ne peut pas se passer de lui. C'est un hadith rapporté par Nasa'i et Al-Bayhaqi. Al-Hakim a dit que la chaîne des rapporteurs de ce hadith est authentique. Donc attention, attention à une femme qui ne remercie pas son époux. Allah ne la regardera pas. C'est-à-dire qu'il se désintéressera d'elle. Ce n'est pas qu'il va l'oublier, ça veut dire qu'il va la mettre à l'écart. À Dieu ne plaise. Suivant Abdullah ibn, dans un autre hadith,
Celui-là, c'est le hadith d'Abu Huraira. Abu Huraira, radiallahu anhu, il rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, écoute bien, chère sœur, écoute bien ce hadith-là. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. S'il m'avait été permis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, c'est bien à la femme que j'aurais ordonné de se prosterner devant son mari en raison du droit énorme qu'il a sur elle. En raison du droit énorme qu'il a sur elle. La suite du hadith. ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. Il ne trouvera la douceur de la foi que si elle acquitte, elle s'acquitte du droit de son mari sur elle. ولا تجد حلاوة الإيمان. Il ne trouvera pas la douceur de la foi que si elle s'acquitte du droit de son mari sur elle. Ça a été rapporté par Ahmed ibn Majah et Ibn Hibban. Donc le droit, son droit est très important. Tu ne peux pas le combler si jamais tu es ingrate envers ton époux. Tu ne peux pas rattraper ça. Même si tu multiplies les prières, même si tu fais l'aumône, parce que son droit est très important. Et l'islam, il insiste sur ce point. Il veut sauvegarder les foyers. Notre défaite maintenant devant les ennemis d'Allah, c'est parce que nos foyers sont ruinés. La relation de l'époux avec l'épouse n'a rien à voir avec les prescriptions de l'islam. Donc, chères sœurs, quelques paroles de remerciement et de louange, des invocations. Invoque Allah pour ton mari. C'est rare qu'on trouve une femme invoquer Allah en faveur de son mari. Qu'Allah t'aide, mon mari. Qu'Allah t'aide, mon bien-aimé. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah te sauvegarde. Ça fait de l'effet à l'épouse, subhanallah. Et comme art aussi, c'est savoir demander des excuses. Tu fais ça pour Allah. Même si ton mari, il néglige certaines choses, mais toi, tu dois être sensé et tu fais pour Allah, pour gagner le paradis. Comme art aussi, et pour aussi, pour préserver ton foyer. Comme art aussi, c'est savoir demander des excuses, comme j'ai dit. Bon, la femme est un être humain, normal. Il lui arrive de négliger certains devoirs, quoiqu'elle tâche de le faire convenablement. Mais il lui arrive de faire des erreurs. Qu'en est-il alors si, d'elle-même, elle néglige certains devoirs, ou se montre d'elle-même indifférente vis-à-vis de certains droits de l'époux? Donc le meilleur moyen pour combler ces lacunes, c'est de demander pardon à son époux et de revenir à lui. Je suis certain que la parole la plus douce qu'un homme espère entendre que son épouse lui dise quand elle commet une négligence, c'est « excuse-moi ». Quelle que soit l'erreur, ou « pardonne-moi ». Il ne s'agit pas là d'un rabaissement de la femme ou d'un orgueil de l'époux, comme le fait imaginer Satan. Il gonfle jusqu'à chuchoter à la femme, écoute, tu vas t'abaisser devant lui. Tu vois. C'est comme, subhanallah, on donne toujours l'image que l'époux est un ennemi et qu'il faut toujours se mettre en garde contre lui. Et certaines femmes se passent les consignes. Tout comme certains hommes se passent la consigne suivante, méfie-toi le premier jour, il ne faut pas baisser les bras. Les femmes aussi, ils disent la même chose. Ne te laisse pas aller, attention, tu lui demandes pardon, ça veut dire un rabaissement, c'est quoi lui? Subhanallah. Chuchotement du shaitan, et c'est comme si tu es en train de réaliser les plans des sionistes et des ennemis d'islam qui veulent ruiner chaque foyer. Donc ce n'est pas un rabaissement, mais c'est parce que l'homme de nature est créé pour aimer la femme. Il est facilement séduit par ses paroles. Une excuse de la femme, un pouvoir magique sur l'homme. Par exemple, il n'a pas dit « Hubbi bali min dunyakum un nisa wa taib wa ja'alat qurrata ayni fi salat » Allah m'a fait aimer dans la vie que vous vivez, Allah m'a fait aimer les femmes et le parfum.
et la fraîcheur, la prunelle de mes yeux, c'est la salade. Donc, il est de nature, il est créé pour aimer la femme. Il est facilement séduit. Donc, il excuse un pouvoir magique sur lui. Quelques mots doux transforment la colère en une satisfaction et une joie. Quelques mots doux, et tu vois le lion se transformer en agneau. Quelques mots doux, et la rougeur de la colère devient rougeur de la pudeur. Utilise cette arme-là. Ibn Abbas, écoute très bien ce hadith-là. Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que le professeur sallam a dit: vos épouses dans le paradis sont celles qui sont affectueuses, fécondes et enclins à demander pardon à leurs époux. Nisa'ukum min ahli al-jannah al-wadud al-walud al-a'ud 'ala zawjiha. Vos épouses, je répète le hadith, vos épouses dans le paradis sont celles qui sont affectueuses, fécondes et enclins à demander pardon à son époux. العود على زوجها التي إذا غضبت je continue le hadith التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. Quand l'époux de l'une d'elles se met en colère, elle vient jusqu'à lui, met sa main dans la sienne et lui dit: je ne goûterai le sommeil que si tu y es satisfait de moi. نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. Vos épouses, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit ça. Vos épouses dans le paradis sont celles qui sont affectueuses, fécondes et enclins à demander pardon à leurs époux. Quand l'époux de l'une d'elles se met en colère, elle vient jusqu'à lui, met sa main dans la sienne et lui dit: je ne goûterai le sommeil que si tu y es satisfait. Hadith rapporté par Nasa'i et consorts. Et il a un hadith témoin dans hadith de Anas. Ce hadith-là de Anas, il est rapporté par Tabarani dans le Mu'jam Sarir. Et il est assez bon, c'est-à-dire du degré de Hassan. Il est qualifié d'authentique, qu'on peut le trouver dans la série des hadiths sahih du Cheikh Albani, rahimahullah. L'imam al-Manawi, le grand imam al-Manawi, dans son ouvrage Faïd al-Qadir, le fameux ouvrage Faïd al-Qadir, a dit, dans l'exégèse de ce hadith-là: celle d'entre elles qui se part de ses qualités mérite vraiment d'être parmi les femmes du paradis. Il est rare, il a dit, remarque, il est rare de trouver ses qualités chez elle. Fin de citation. Donc, chère sœur, où en es-tu de tout cela? Où en es-tu par rapport aux gens du paradis? Pourquoi te prives-tu d'être parmi les gens du paradis? Écoute, sœur bénie, bonheur dans ce monde, en vivant une vie heureuse avec ton époux. Bonheur dans l'au-delà, en étant parmi les femmes du paradis, à une seule condition, c'est se parer de ses vertus. Enclin à s'excuser, affectueuse, quelques mots doux, chère sœur, mets la main dans la main de ton époux, et le conflit devient réconciliation. Et le climat tendu se dissipera. Et attention, que ton orgueil et ton entêtement ne te poussent pas à détruire toute une famille et à rendre la vie de ton époux un enfer. Surtout si c'est toi qui es l'origine du conflit. Si c'est toi, c'est grave. Le bon foyer heureux, ce n'est pas celui qui est exempt de problèmes, mais celui dans lequel on sait comment gérer les problèmes, comment s'y prendre. Comme art, également, c'est l'écouter et l'obéir dans ce qui est convenable. L'obéir quand il s'agit de ne pas désobéir à Allah. Ça aussi, c'est un pouvoir séducteur qu'exerce la femme sur son époux. En l'obéissant, il gagnera le cœur de son époux. Et avant tout, la satisfaction de son Seigneur. L'obéir se trouve au sommet des adorations.
Écoute bien, obéir à son époux se trouve au sommet des adorations. Elle est liée à la salat et au jeûne. L'obéissance de l'époux est liée directement à la prière et au jeûne. Suivant Abdurrahman ibn Auf, je donne toujours des preuves dans le Coran, dans la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois convaincu de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la femme fait ses 5 prières, jeûne 100 mois, préserve son sexe et obéit à son mari, il lui sera dit, rentre au paradis par la porte que tu désires. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Quel mérite, quelle grâce de Dieu. Seulement applique ces choses-là. Préserver le sexe, jeûner 100 mois et prier, faire les 5 prières et obéir à l'époux. Donc, la récompense est grande. La porte que tu désires, tu veux rentrer dans la porte des jeûneurs ou des moujahidines ou des... Oui, tu as toute sa récompense, mais seulement tu y appliques ces choses-là. Mais beaucoup de femmes, elles négligent ce droit-là. Elles négligent le droit de leurs époux. Je ne sais pas, est-ce que il n'y a pas assez de leçons qui... On ne parle pas de ce sujet-là ou je ne sais pas pourquoi. Donc, à la femme de suivre ces consignes-là pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit de l'époux est très important. Le droit de l'époux est très important. Et je continue, inshallah, le reste de ce dars. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.